Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi, le 19 octobre 2020, 14h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, même si les temps sont difficiles. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, malgré tout, la vie continue. Et je vous partage quelque chose qui vient de si net. La NASA lance un réseau téléphonique 4G sur la Lune. Le réseau lunaire LTE de Nokia permettra aux astronautes de passer des appels, de diffuser des données et de contrôler à distance des robots. Imaginez-vous, ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps. C'est un petit pas pour les téléphones, un pas de géant pour les téléphones, dans le fond. La NASA et Nokia planifient le premier réseau cellulaire sur la Lune. La société de téléphonie finlandaise Nokia a annoncé qu'elle travaillait avec l'administration spatiale américaine pour construire un réseau 4G LTE pour les marcheurs de la Lune d'ici la fin de 2022. Outre la communication vocale et la transmission de données, le réseau mobile pourrait alimenter la navigation, diffuser des données biométriques afin que les contrôleurs puissent garder un œil sur la santé et la forme physique de chaque astronaute et diriger des robots et des capteurs télécommandés sur la surface lunaire. Cela fait partie du programme Artemis de la NASA destiné à établir une base durable sur la surface lunaire d'ici 2028. Plusieurs entreprises ont été engagées par la NASA dans des accords totalisant plus de 370 millions de dollars. Nokia est surtout connue pour avoir fabriqué un certain nombre de premiers téléphones portables très appréciés et Snake, le jeu chargé sur ses téléphones. Mais il est également important dans les équipements de communication back-end des tours cellulaires aux satellites utilisant en grande partie des technologies disponibles dans le commerce, telles que des stations de base légères 4G, Nokia promet que le réseau lunaire sera LTE d'un bout à l'autre, ultra compact, de faible puissance, durci pour l'espace. Il sera également mis à niveau vers la 5G au fil du temps. Des nouvelles passionnantes pour les marcheurs de la Lune, peut-être un peu ennuyeux pour quiconque ne peut pas obtenir un signal ici. Sur Terre, vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description.